Le président tanzanien John Magufuli a lancé, mercredi 12 décembre 2018, la construction d'un barrage électrique sur la rivière de Rufiji, dans la réserve naturelle de Selous. Ce projet pourrait menacer le riche et vaste écosystème de cette réserve classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'institution a plusieurs fois réclamé l'abandon du projet, qu'elle juge incompatible avec le statut du site. Nous sommes préoccupés par le fait que la décision de poursuivre la construction du barrage puisse avoir un impact dévastateur et irréversible sur l'écosystème système unique de Selous et que cela compromette le potentiel du site dans sa contribution au développement durable. Évaluée à 3 milliards de dollars, la construction du barrage est confiée à deux sociétés égyptiennes, Arab Contractors et LCED Electric, qui ont jusqu'en 2023 pour finaliser les travaux. Le président tanzanien affirme que la future centrale électrique d'une capacité de 2100 MW n'aura pas d'impact néfaste sur l'environnement. La réserve va perdre 148 000 hectares de forêt. Il y aura aussi la disparition des espèces en voie de disparition. Pour nous, nous pensons que effectivement, ce barrage sera important pour promouvoir et développer les industries, mais ce n'est pas le lieu approprié pour construire cette centrale. Mais d'abord, il faut se tourner vers d'autres alternatives. Il faut aller vers d'autres sources d'énergie, telles que les centrales solaires, et les centrales dues à la biomasse. Formulé pour la première fois dans les années 60, le projet de barrage électrique sur la rivière de Rufiji est remis à l'ordre du jour par le président Magufuli lors de sa campagne en 2015. Ce dernier entend faire de ce projet une des principales réalisations de son mandat.